Buenos días, chicos y chicas. Bienvenido a nuestra tercera semana de confinamiento. Y por ello vamos a ver hoy nuestro tercer vídeo correspondiente a la segunda sesión de nuestra unidad 4. Comuniquemos. Vous savez très bien que pour commencer, nous allons faire notre jeu de points positifs et négatifs. Alors, la première question, ¿qué hemos hecho el día anterior? El día anterior hemos presentado nuestro proyecto final, en el que crearemos un tutorial para que las familias resuelvan sus problemas. La segunda pregunta, ¿cómo diría en español? La mairie. La mairie en español es el ayuntamiento. Tercera pregunta, ¿y cómo diría en español una ficha? Una ficha es un cartel. Muy bien. Cuarta pregunta, ¿cómo nous devons créer le présent progressif en español? Le présent progressif, nous devons le former avec le verbe estar, qu'il faut conjuguer en présent de vindicatif, et après suivi du gérondif, le gérondif du verbe. Le gérondif, nous devons le former, si c'est un verbe du premier groupe, qui finit en AR, on doit enlever AR et le changer par ANDO, et si c'est un verbe du deuxième et troisième groupe, ER et IR, nous devons changer cette terminaison et rajouter yendo. Et la última pregunta, la cinquième, vous savez bien que nous sommes dans le troisième trimestre. Comment on dit en français un globo? Un globo, dos globos, tres globos. Ah, là c'est une chanson qu'un jour on verra. Un globo es ballon. Un ballon pour... comme nous avons vu dans notre affiche, un ballon où la fille elle était en train de voler, en quelque sorte. Estaba volando, de alguna manera, con los globos. Muy bien, chicos. Vous pouvez me laisser pour les commentaires, sur les commentaires de YouTube, si vous voulez, combien de réponses vous avez eues positives. J'espère que tout le monde a eu minimum 3, car vous savez, sinon, ça pénalise le point. Vamos a comenzar nuestra clase. Lo primero que vamos a realizar hoy, como siempre, es escribir la fecha. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020. También se puede decir el primero de abril. Como ejercicio de hoy, vamos a realizar una comprensión escrita que se titula Compartir con la familia. El texto lo podéis encontrar en la página 62 del libro. Antes de realizar esta comprensión escrita, vamos a trabajar y ver algunas palabras de vocabulario. Las manualidades, c'est les travaux manuels. Las manualidades, el verbo desarrollar, développer, el verbo enriquecer, que es transparente, verbo que es transparente, enrichir, y la expresión fortalecer los lazos, renforcer les liens. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto. Tout le monde doit suivre la lecture. Pour ensuite, une fois que j'ai fini de lire chaque phrase, je laisserai un moment pour mettre le pause sur la vidéo et lire vous, relire vous la phrase
Comme ça, vous allez travailler votre prononciation. Donc, chaque fois que je finis une phrase, je laisse quelques secondes. Comme ça, vous pouvez stopper la vidéo et le dire en voix haute chez vous. Si vous voyez qu'il y a un mot que vous n'arrivez pas à prononcer correctement, vous pouvez le revoir et dans la vidéo, passer, faire marche arrière dans la vidéo pour pouvoir le réécouter. Empezamos. Las actividades familiares en casa son un plan ideal para el mal tiempo y para disfrutar de unos días libres con los niños. Es importante realizar manualidades originales o colorear dibujos para que los niños expresen sus capacidades artísticas. Las actividades manuales son el mejor pasatiempo para que desarrollen su imaginación y su fantasía, y así enriquezcan su capacidad intelectual. Es fundamental que los niños descubran valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto. Otra manera de fortalecer los lazos familiares es necesario que la familia salga de casa y disfrute de algún tiempo juntos, viendo películas o haciendo deporte. Una vez que habéis leído el texto y lo trabajado una vez más, vamos a leer las preguntas que tenéis que responder con respecto al texto. Vous savez bien que normalement on doit faire notre jeu de puntos positivos y negativos. Donc, je vous laisserai 10 minutes, vous avez 10 minutes pour relire les textes et essayer de répondre aux questions. Et ensuite, nous allons continuer avec la correction de ces questions. Primera pregunta. ¿De qué tipo de actividades trata este texto? Tipo, on peut traduire par quel genre, quel type. Tratar, c'est s'agissait ou parler. Segunda pregunta, hay que completar, il faut compléter. Es importante que los niños. Tercera pregunta, hay que completar, il faut compléter encore. Los padres leen cuentos a sus hijos para que. Un cuento, c'est une histoire, un conte. Cuarta pregunta. Para tener una familia unida es fundamental que tenéis que completar. Y la quinta pregunta. ¿Y tú qué actividades practicas con tu familia? Vous avez 10 minutes. Prenez ces questions. Vous pouvez maintenant aussi appuyer sur pause dans la vidéo pour avoir les questions devant vous et avoir votre cahier, votre porte-vue et votre feuille d'exercice à côté et les textes pour répondre. Nous allons commencer avec la correction de nos questions, notre compréhension écrite. ¿De qué trata el texto? El texto trata de las actividades familiares que se pueden hacer en la casa. ¿Usted correcto? Sí. Las actividades mencionadas son las manualidades y las actividades artísticas,
ver películas y hacer deporte. C'est pas fait exprès, mais bon, c'est un texte que ça va exactement avec la réalité que nous sommes en train de vivre, car il nous propose de faire quelques activités à la maison. Bon, le sport, c'est un peu complexe. Mais bon, on peut aussi le faire, quelques mouvements, étirements, si on a un peu d'espace, ou faire même un peu d'espace dans les séjours. Mais après, le reste, son actividades familiares como las manualidades que podemos trabajar en clase. O actividades artísticas, como tocar la guitarra, cantar, o, por supuesto, ver películas. Segunda pregunta. Es importante que los niños realicen manualidades para que expresen sus capacidades artísticas. O, c'est aussi correct, es importante que los niños pasen tiempo con sus padres y desarrollen valores positivos. Normalement, vous avez rempli ces questions en utilisant les textes. Regardez, parce que je vous souligne déjà, je vous fais remarquer les verbes qui sont dans ces phrases parce que normalement ils sont un peu différents. Vous devez déjà voir quelques différences, quelques particularités, même s'ils sont corrects ou pas. Tercera pregunta. Los padres leen libros a sus hijos para que desarrollen su imaginación y su fantasía y así enriquezcan su capacidad intelectual. Ça, c'est la réponse correcte. Attention, encore une fois, les verbes sont en rouge. Ils sont plus grands. Parce que déjà, il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. La cuarta pregunta. Es fundamental que la familia salga de casa y disfrute de algún tiempo juntos viendo películas. Cela, c'est la réponse correcte. Et la réponse correcte, vous voyez bien, encore une fois, les verbes sont en rouge et ça doit vous faire tilter déjà. Y la última pregunta. Con mi familia solemos ver películas juntos, ensemble. Solemos ir a ver partidos de fútbol o a mis padres y a mí nos gusta ir al museo. Voilà la corrección. J'espère que surtout vous avez bien corrigé les verbes que vous avez écrits à la question 2, 3 et 4. Car les verbes sont conjugués en subjonctif présent. C'est là, c'est un des points, les points principaux de grammaire qu'on va travailler dans cette séquence. Et on commence déjà à l'utiliser. Le présent des subjonctifs en espagnol. La première chose que vous devez savoir, c'est que la plus grande majorité de temps que vous allez utiliser les subjonctifs présents en français, ces phrases-là, que vous avez bien utilisé les subjonctifs présents en français, il faudra aussi utiliser les subjonctifs présents en espagnol. Cela, ça va vous aider énormément à l'heure de comprendre et savoir utiliser les subjonctifs en espagnol. Par exemple, il faut que tu viennes. Viennes, c'est des subjonctifs en français. En espagnol,
Es importante que vengas. C'est exactement pareil. Pourquoi je vous montre cette première image? Parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et comprendre quand est-ce que nous devons l'utiliser, la première chose que vous devez savoir, c'est que pour créer le subjonctif, pour pouvoir le conjuguer, pour le verbe régulier, il faut inverser les terminaisons. Ça, c'est la première règle. Même si pour l'instant, vous ne comprenez pas ce que je viens d'écrire, vous devez savoir que pour conjuguer le subjonctif, il faut inverser les terminaisons du présent de l'indicatif en espagnol. C'est-à-dire, en présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe, la terminaison est celle-ci. O, as, a, amos, eis, an. Si vous voyez bien, pratiquement toutes les terminaisons finissent par a. Et le deuxième groupe, en er, sont o, es, e, hemos, eis, en. Vous voyez bien comment la plus grande majorité, sauf toujours la première personne du singulier, qu'en présent de l'indicatif, vous savez que dans les trois groupes, ça se conjugue avec un O comme terminaison. Le deuxième groupe ici, il y a des E de partout. Et pour les troisième groupe, en présent de l'indicatif, O, S, E, Imos, Is, En. Vous voyez ici comment il y a beaucoup de E, plus que des I, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est inverser. C'est-à-dire que en subjonctif présent, les E, au lieu d'être pour les deuxième groupe ou le troisième groupe, ils vont être pour les premiers groupes. Et les A, au lieu d'être pour les premiers groupes, pour les subjonctifs présents, seront pour les deuxième et troisième groupes. De cette façon-là, en subjonctif présent, les verbes de premier groupe, nous devons le conjuguer en utilisant cette terminaison. E, es, e, hemos, eis, en. Pour les verbes de deuxième groupe, en subjonctif présent, nous devons utiliser a, as, a, amos, eis, an. Et pour le troisième groupe, pour le subjonctif présent, nous devons utiliser la même que pour le deuxième groupe. A, as, a, amos, eis, an. Attention, je vous fais tilter dans le sens où. Ici, dans le subjonctif présent, la première personne au singulier perd cette caractéristique de finir toujours par O, comme dans le présent de l'indicatif. Là, ça va changer. Et si vous voyez bien, on vient d'inverser les terminaisons. Présent de l'indicatif en A pour le premier groupe. Subjonctif présent en A pour les deuxième et troisième groupes. Présent de l'indicatif en E pour les deuxième et troisième groupes. Subjonctif présent, le E, c'est pour les premiers groupes. Donc, on doit inverser. Les emplois de subjonctif. Quando tenemos que emplear el presente de subjuntivo? Il y a plusieurs utilisations. Nous, pour l'instant, on va apprendre deux. La première, c'est para expresar una obligación. Vamos a expresar una obligación. Y siempre con la preposición que. Por ejemplo, es importante que, c'est important que, es necesario que, il faut que, es fundamental que, c'est fundamental que. Suivi toujours de subjonctif présent. Ça, c'est la première utilisation. On exprime une obligation. Et la seconde utilisation
del subjuntivo es para expresar un objetivo, un but. Con la fórmula para qué seguido de subjuntivo presente. C'est la première fois qu'on voit le subjonctif en espagnol. Et la deuxième chose que vous devez maintenant déjà savoir, la première, c'est le fait d'inverser la terminaison entre le présent et le subjonctif. La deuxième, c'est que vous voyez qu'il y a la préposition « que ». Et qu'après cette préposition « que », ça c'est des phrases d'amorce que j'exprime, soit en obligation, soit en but, il y a toujours le verbe en subjonctif. Il est vrai que dans ces moments-là, pour exprimer ça, après « que », il y aura un subjonctif. Mais ça, ce n'est pas toujours à 100% vrai. Il faudra, au fur et à mesure qu'on va travailler le subjonctif, mieux le comprendre et voir les particularités. Je vous dis ça, même si c'est le premier jour qu'on voit le subjonctif, parce que souvent, je vois après des erreurs que des grands élèves commencent à écrire une expression écrite en espagnol et ils voient un « que », après, ils placent le subjonctif. Et ce n'est pas 100% vrai. Ce que vous devez savoir, c'est ce que je veux exprimer. Si la phrase veut exprimer une obligation, alors oui, il faut utiliser le subjonctif. Mais ça ne sera pas toujours. Parce que c'est une préposition qu'on peut utiliser pour une autre chose. Voilà les deux premières utilisations de subjonctif présent en espagnol. Vous savez très bien que vous pouvez trouver tout ça sur École Directe, votre trace écrite, d'accord? Évidemment, messieurs, dames, quelle est la difficulté du subjonctif présent en espagnol? Si vous savez que l'utilisation est pratiquement la même qu'en français et que c'est tout simplement inverser la terminaison entre le présent et le subjonctif, le problème sont les irréguliers. Mais ce n'est pas aussi difficile, car comme vous savez très bien ces irrégularités déjà dans le présent de l'indicatif, vous allez très vite comprendre comment il faudra conjuguer plusieurs verbes, surtout en subjonctif en espagnol. Quelle est la première irrégularité que vous devez connaître pour après l'appliquer à tous les verbes pour les conjuguer en subjonctif? La première est que tous les verbes qu'en espagnol sont irréguliers dans la première personne du singulier de l'indicatif. Ils vont garder cette irrégularité dans toutes les personnes au subjonctif présent. Je vous donne un exemple. En fait, 5. Salir. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Sortir. Vous savez que la première personne, c'est yo salgo. Après, je conjugue en présent. Tu sales, él sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. Venir, transparent. La première personne en présent, c'est yo vengo. Mais après, ça change. Tu vienes, él viene. Nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Ou celui-là que tout le monde doit connaître. Tener. Yo tengo. Tu tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Vous voyez ici ces premiers 5 verbes qui sont irréguliers dans la première personne du singulier. Alors, cette irrégularité, nous allons la garder pour toutes les personnes au subjonctif présent. Et bien sûr, la terminaison, il faudra l'utiliser selon le groupe qu'il est. Si salir, c'est yo salgo, l'irrégularité, c'est salg. Alors, je garde salg pour toutes les personnes de verbe. Et ensuite, j'utilise la terminaison selon les groupes qu'il est en subjonctif. Comme je vous ai expliqué avant, troisième groupe, la terminaison c'est a, as, a, amos, ais, an. Del verbe venir, la irrégularité c'est veng. Alors, j'utilise veng dans toutes les personnes. Et ensuite, j'utilise la terminaison selon les groupes pour les subjonctifs présents. Tener, vous savez très bien que c'est teng. Alors teng, je le garde dans toutes les personnes
Et j'utilise comme terminaison selon les groupes de verbes. Avec cette première règle, dès que vous connaissez le verbe qui est régulier dans la première personne, il faudra répéter cette irrégularité pour les subjonctifs et utiliser la terminaison que vous avez vue ultérieurement. Ensuite, une autre caractéristique, ce n'est pas une irrégularité, c'est tout simplement le constat que tous les verbes en espagnol à diphtongue, ils vont garder cette irrégularité, c'est-à-dire ils vont continuer à être diphtongue pour les subjonctifs présents. Donc, comme vous savez bien, c'est des verbes à 1236. Je garde la diphtongue, mais je change la terminaison. C'est pour cela que volver, en subjonctif présent, c'est vuelva. Vuelvas, vuelva. Volvamos, volváis, vuelva. Attention, 1, 2, 3, 6. Soler, c'est suela, suelas, suela. Solamos, soláis, suela. La diphtongue est maintenue, mais je change la terminaison. Et de soñar, sueñe, sueñes, sueñe, soñemos, soñéis, sueñen. Je garde la diphtongue, je change la terminaison. Et la dernière irrégularité qu'on va voir pour l'instant, c'est des verbes qui sont très irréguliers, qui n'ont pas une règle précise qu'il faut apprendre par cœur. Pour l'instant, on va voir deux. Il y a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais on va commencer par deux qu'on utilise beaucoup, comme ir, qu'en subjonctif, ça sera vaya, vayas, vaya, vayamos, vayais, vayan, o ser, qu'en subjonctif présent, sera sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. Ces verbes très irréguliers, nous devons les apprendre par cœur. Pour l'instant, qu'on a commencé avec ces points, qu'on a fait les exercices, je vous donne ça pour la semaine prochaine. On va travailler un peu ces points et on va voir, on corrigera dans les prochaines vidéos. Para la semaine qui vient, ejercicios del libro, página 62, entrénate, attention, c'est la partie entrénate. Je vous le montre. Il est là, d'accord? Cette partie-là. Ici, entrénate. D'accord? Así pues, el 1 y el 2. Y de la página 136, el 19, el 20 y el 21. Muchas gracias, chicos y chicas. N'oubliez pas que vous trouverez tout sur École Directe. Y nos vemos la semana que viene para un siguiente vídeo y para seguir trabajando el subjuntivo. Que os vaya bien. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.